Bonjour et félicitations. Vous êtes maintenant diplômée de l'Université d'Ottawa et de la Faculté des sciences sociales et nous sommes immensément fiers de vous. Et donc, je veux surtout souligner que même si ce n'était pas un fin de parcours exactement comme prévu, je suis profondément convaincue que vous êtes parmi les cohortes les mieux préparées pour le marché d'emploi tel qu'il va se développer, pas seulement à court terme, mais aussi à moyen terme. Vous avez dû vraiment apprendre à être autodidacte, autosuffisant dans votre apprentissage. Ça, c'est quelque chose qui va vous aider dans le futur. Vous avez dû apprendre à être excessivement agile, de répondre à l'incertitude et de fonctionner dans sur un terrain en mouvement continu. Et vous avez dû apprendre à poursuivre en dépit de toutes sortes d'obstacles auxquels vous avez dû faire face parmi cette dernière étape d'études. De nouveau, je souligne, ce sont des vraies compétences et des vraies compétences qui vont vous aider à réussir dans votre cheminement professionnel. Donc, je sais qu'à court terme, ça pourrait être un peu plus facile, mais je suis très optimiste pour le futur. Les choses vont commencer à aller mieux bientôt, mais je pense que vous allez vraiment avoir des belles opportunités et que toutes ces difficultés de fin de parcours vont vous aider dans le futur. Donc, félicitations de nouveau et surtout, j'espère que vous allez rester en contact avec nous, soit en revenant sur le campus, soit en nous envoyant un courriel. Donc, profitez bien et à la prochaine. Bonjour à nos nouveaux diplômés, classe de 2020 et félicitations. Je m'appelle Kelly Ashcroft et je m'occupe des opportunités d'engagement avec nos diplômés à la Faculté des sciences sociales. Dans le passé, on avait tout plein d'événements en personne. Mais cette année, bien sûr, on a dû se concentrer sur la création du contenu et des événements en ligne. Écoute, je comprends bien que plusieurs d'entre nous sommes bien fatigués d'être fixés sur nos écrans si souvent. Donc, nous devons créer du contenu aussi intéressant que possible et on aimerait certainement recevoir vos idées et votre rétroaction. Je suis tellement ravie de lancer une série d'articles de blog pour notre communauté. Ceci inclura des articles de blog écrits par nos diplômés ou des articles style questions et réponses. On est autant fiers de lancer une série d'entrevues vidéo. On amplifie les voix de nos diplômés afin de mener à certains changements positifs dans l'expérience étudiante et l'expérience de nos diplômés. Ces initiatives sont surtout orientées vers le support de votre croissance professionnelle et personnelle. Il y a tout plein de choses que je pourrais dire, mais je garde mon message concis pour l'instant. S'il vous plaît, restez en contact avec nous. Vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn ou à mon adresse courriel. Pour rester au courant, je vous invite à joindre notre groupe de la Faculté des sciences sociales sur LinkedIn, de suivre nos réseaux sociaux et de vérifier nos courriels. Félicitations, je vous souhaite un temps de fête reposant, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bonjour Promotion 2020, je m'appelle Elias Léon et il n'y a pas si longtemps, en 2015, que j'étais diplômé de la Faculté des sciences sociales. Là, je travaille chez Curtis Mallet Prévost, un cabinet des avocats à Paris avec le groupe d'arbitrage international. En cette journée spéciale, je voudrais offrir vous ainsi qu'à votre famille mes sincères félicitations. Bravo! Vous avez fait preuve de persévérance, de résilience et de détermination. Je suis certain que vous tirerez parti de ces nouvelles compétences pour réussir votre transition vers la vie professionnelle. Alors même que l'on vit une période incertaine qui menace le bien-être de l'humanité, de nouveaux défis nous font face comme le changement climatique, une pandémie mondiale et des attentes aux droits de l'homme. J'espère que vous transformerez ces défis en opportunités grâce à votre formation, diversité et innovation. N'oubliez pas que vous rejoignez l'association des diplômés qui sont là pour vous accompagner à tout moment dans votre parcours professionnel. Bienvenue et encore une fois, félicitations! Félicitations aux diplômés de l'Université d'Ottawa. Vous avez enfin fini l'école. Pour certains d'entre vous, vous souhaitez commencer à travailler.
pour d'autres, vous avez encore plusieurs années d'études devant vous. Si vous êtes comme moi, quand j'ai obtenu mon diplôme, je ne savais pas ce que je voulais faire. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une étape. J'aimerais partager avec vous un aphorisme qui m'a aidé à me rendre là où je n'aurais jamais imaginé. La seule chose pire que le rejet est de ne pas savoir comment cela aurait pu terminer. Alors, soyez courageux et n'ayez pas peur de poursuivre vos rêves. Que ce soit une idée entrepreneuriale, postuler dans votre école de rêve, peu importe. Il y a toujours des obstacles et échecs sur votre chemin, mais n'arrêtez pas d'essayer. Au moins, vous ne vivez pas avec des regrets en vous demandant si seulement j'avais essayé. Mais ce qui est plus probable, c'est que vous serez surpris de là où vous pourriez vous retrouver dans 2, 5 à 10 ans si vous essayez. Encore une fois, félicitations.